Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on s'était arrêté la dernière fois au cérémonial des katas. On va attaquer maintenant la première série. Je vous en dis plus dès que j'ai enfilé mon kimono. Et bien, me voici prête. Donc, je vais vous parler un petit peu de la première série. C'est la série donc des techniques de bras et d'épaules. On commence par Uki Otoshi. À droite et à gauche, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Les techniques se font à droite et à gauche. Ensuite, Ippon Seonnage et on finira par Kataguruma. Voilà. Les déplacements, donc vous appliquez bien les déplacements qu'on avait vus la dernière fois. Et pour chacune des techniques, je vous le montrerai en tant que Tori et en tant que Uke. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, je suis positionnée pour faire Uki Otoshi. Donc il faut imaginer quand même que j'ai Uke devant moi. Ça va se passer en trois pas. Le premier pas, Uke vient m'agresser. Le deuxième, je reprends le dessus donc en marquant le déséquilibre. Et sur le troisième, donc c'est le gake, la projection. Donc je suis là. Uke va venir me pousser en me saisissant. Je reprends le dessus. Et la projection. Mes doigts sont placés à l'intérieur de ma jambe. Mes doigts de pied sont plantés dans le tapis pour éviter donc de perdre l'équilibre et de tomber. Une fois que Uke a effectué sa chute, je me redresse et je me retourne vers lui. J'attends qu'il se positionne devant moi et j'attends donc, pareil, de la même manière que tout à l'heure, qu'il vienne donc m'agresser. Et je vais donc reculer le pied droit. Toujours pareil, les doigts à l'intérieur, les pieds coincés dans le tapis. Je me repositionne et je suis prête pour effectuer Ippon Seonnage. Voilà, là je suis donc positionnée en tant que Uke. Tori est donc face à moi. Je vais venir le saisir en l'agressant, c'est-à-dire je vais venir le pousser. Là, il reprend le dessus et là, sur le troisième pas, j'effectue ma chute avant droite. Je me relève ensuite. Hop, je me relève de ma chute. Et je vais faire la même chose côté gauche. Et j'effectue ma chute à gauche. Et je me relève dans le sens de la chute. C'est-à-dire en principe en tournant le dos au jury. Voilà. Je vais attaquer la deuxième technique de la première série. Donc Ippon Seonnage. Il n'y a pas de déplacement comme sur Uki Otoshi, donc sur trois pas. Uke va venir m'attaquer, je vous montrerai tout à l'heure l'attaque de Uke. Moi, je vais venir parer son cou en avançant le pied droit. Voilà, je vous montre, avance pied droit, je pare le cou de Uke. Ensuite, je vais venir placer mon bras sous son aisselle tout en pivotant. Je fléchis et ensuite, je fais chuter. Je reste sur ma position pour attendre que Uke se relève et se remette face à moi pour pouvoir effectuer la technique côté gauche. On est donc positionné à gauche, j'attends que Uke se relève et se mette face à moi, qu'il m'attaque. Dès qu'il m'attaque, je pars avec mon bras droit et je commence à pivoter gauche. Je passe comme tout à l'heure sous son aisselle en ramenant donc mon pied droit à côté du pied gauche. J'ai fléchi. Et j'effectue la projection, le gake. Donc là, je suis positionnée dans le rôle de Uke. Donc Uke va armer son bras droit en avançant pied gauche. Donc j'arme. Et là, il va venir viser le sommet de la tête de Tori en ramenant son pied droit à côté. Je vous montre en une fois. Voilà. Ensuite, il se relève. Une fois qu'il a chuté, il se relève. Et il va faire la même chose côté gauche. Donc, il arme bras gauche. Il avance pied droit. Et ensuite, il va porter le cou au sommet en ramenant le pied gauche à côté. Voilà. Bien. Donc, me voilà positionnée pour la dernière technique de la première série, Kataguruma. Le déplacement c'est le même que sur la première technique, sur Uki Otoshi ça va se faire sur trois pas. La même chose, Uke m'attaque, je reprends le dessus, je fais chuter,
Je vous expliquerai un peu plus en détail la position de Ouké en ce qui concerne Tori. Donc, je me fais agresser. Je reprends le dessus en enroulant son bras. Sur la troisième, je me décale. Je mets ma main droite entre ses jambes. Je tends Ouké sur la ligne de mes épaules. Il doit être bien droit. Et ensuite, je vais le faire chuter en ramenant ma jambe gauche vers la jambe droite sans qu'elle se touche. Et je le fais chuter. Et ensuite, je me positionne pour attaquer la technique à gauche et attendre que Ouké se remette en place. Donc là, je suis positionnée pour le faire à gauche. Donc même principe, il me déséquilibre, il me pousse. Commence à le mettre en déséquilibre et en plus, après, je le charge sur mes épaules. Et je fais chuter. Donc là, je suis Ouké. Hein. Je vais venir donc pousser Tori tout en le saisissant. Voilà, je le pousse. Il reprend le dessus. Et là, au troisième pas, il va venir me charger sur ses épaules. Mon rôle à moi, c'est d'être le plus droit et le plus raide possible. C'est-à-dire que mes jambes vont donc se serrer. Je vais m'allonger comme si j'étais Superman. Voilà, je m'allonge comme ça. Je gaine bien. Et ensuite, eh ben, j'effectue ma chute sur la droite. Donc là, on a fait la même chose à gauche. Je me retrouve donc dans cette configuration-là, avec Ouké sur les épaules. Je le fais chuter donc en ramenant mon pied droit vers mon pied gauche. Et ensuite, je me positionne face à lui. Une fois qu'il est positionné face à moi, nous avons terminé donc la première série du Nageno. On va aller chacun dans notre coin pour pouvoir se rhabiller, remettre le chouchou si vous en avez un, le kimono, etc. Donc il est face à moi et on va se retourner ensemble en allant côté Joseki, donc côté jury, on se tourne vers lui, on se tourne vers le jury et on va donc dans son coin pour se rhabiller. On se rhabille, voilà, de la même manière on se retourne à nouveau en direction de Joseki, on se fait face pour pouvoir entamer la deuxième série du Nageno. Voilà. Bon ben voilà, la première série du Nageno est terminée. Il faut prendre son temps, bien travailler dessus, les détails. Vous pouvez le faire en temps de Kurenshu, ça, il n'y a aucun souci. Après, quand on aura enfin la possibilité de revenir au club, ben, vous pourrez le faire avec un partenaire, mais au moins vous aurez avancé le travail. N'hésitez pas, une fois que vous la maîtrisez bien, de l'additionner donc au cérémonial. Cérémonial plus première série. Et puis après, bien, on attaquera la deuxième série. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bisous, à bientôt.